Nous devons tous, Congolais, nous mettre ensemble, tous, pour œuvrer pour la paix dans notre pays. Nous ne devons pas nous pourchasser comme communauté, telle Tutsi, telle Nyanga, telle. Non. Personne n'a choisi de naître Congolais. Personne n'a choisi de naître Tutsi, ou Hutu, ou Nyanga, ou Tembo. Nous sommes tous des humains. Et nous sommes tous des Congolais. Et même les étrangers qui sont sur notre territoire, nous avons le droit de les protéger. Donc nous devons tous ensemble, la main dans la main, être avec notre gouvernement pour développer notre pays, pour pacifier notre pays et le sécuriser. Il nous a invités aussi à ne pas nous victimiser, à être avec les autres communautés pour marcher et aider les autorités provinciales à pouvoir rétablir la sécurité dans notre province. Et nous nous sommes engagés pour ça. On a évoqué le problème de l'agression, donc du Rwanda qui attaque le Congo. Nous avons été clairs, c'est un problème politique au niveau du haut sommet, mais les communautés ne doivent pas se taire. Nous avons la grande partie de notre communauté qui se trouve au Rwanda. C'est ce qui fait au fait qu'il y ait des problèmes. Quand il y a des problèmes entre le Rwanda et le Congo, nous sommes toujours au centre. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis les années 60. Mais aujourd'hui, nous disons non. Nous avons plus besoin de la protection de notre gouvernement. Le gouvernement central comme le gouvernement provincial doit protéger les Tutsis au même titre que les autres. Donc c'est un peu de ça qu'on a parlé brièvement. Alors quel message expressement vous passez au président rwandais qui passe pour le protecteur de la communauté Tutsi congolaise? Il est protecteur des Tutsis rwandais. Il a parlé des problèmes des Congolais qui se trouvent au Congo, qui ont des problèmes. Et c'est vrai, nous avons des problèmes. Mais nous ne lui avons pas demandé d'être notre interprète. C'est sa façon de voir les choses. Nous ne lui avons pas demandé. Pour notre président de la République démocratique du Congo, nous avons besoin de protection. Nous n'avons pas besoin de protection de notre pays. Nous voulons être défendus, protégés par notre pays comme les autres communautés. De la ville de Goma, ici où se décrivent les actualités de l'Est de la République, où les actualités se décrivent ici et présent, direct de la ville touristique de Goma, sur Congo Live, télévision de partout où vous nous suivez. Nous vous disons merci de votre fidélité, les dames et messieurs. Bienvenue à suivre ce nouveau décryptage de ce samedi 24 février 2024. Dernier code de la semaine, on peut dire dernier décryptage de la semaine. Bienvenue à tous de partout où vous nous suivez. Nabisika Obozo, Nabiso Dolobi. Merci Pe Matondo Mingi Nabaye Oyobapona Congo Live Télévision pour vous informer. Oyobapona Congo Live Télévision pour Naba information. Oyoya Moto Oyoya Lekaka à l'Est de la République, de partout où vous vous trouvez. Nous disons merci et bienvenue une fois de plus, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Le Lotoko Beta Masolo, Likolo Yaba Sango Ebele, Yango Ezo Le Kanakati Amboka Nabiso, Le Lotoko Salaba Décryptage Nabiso, Likolo Yaba Masolo Ebele, Oyezo Le Kanakati Amboka, surtout Est de la République démocratique du Congo, ba situation qui prévoit l'Est de la République. Donc, Ninezo Le Kakotoyo, depuis un certain temps, il y a quelques années, vous avez entendu que l'Est de la République est agressé. Notre cher, très bon pays est agressé. Congo est agressé. Nani mutazo agressé ango nenge boyebi M23 donc obie ya ya armée rwandaise to ya Rwanda o eza dirigé par Paul Kagame nde batu bazo sala makambwana surtout lelo nasuka ya semaine oyo lelo samedi weekend dernier numéro de la semaine tokolobela basango ebele oyo tokoloba likola ba message de la communauté Tutsi à Kagame donc à lobby. Communauté Tutsi ya Kotoyo ezalaki resi donc bakutana kina mokonzi ya province awa général Peter Tirimwami oyaza mokonzi ya mboka awa bakutana kilobi et après discussion oyezalaki molai après message oyezalaki molai entre bango na mokonzi autorité awa ya province bango après ba lansaki message o bokutala o botali déjà na vidéo oyo eleki wana donc ba lancer na bango message. Balobina bango ke batinda Kagame te, donc on va découvrir tout au long. Ya émission na biso de la descente to kolobela bombe oyo ekweki na kati ya sake, c'était combien de victimes o bakufaki et après wana armée sala kinini. Donc c'est aussi important de noter ce point que au-delà ya bombe oyo banguna ya M23 ba beta ki na kati ya cité ya sake ya avant, donc il y a deux jours avant-hier on peut le dire. L'armée aussi a fait quelque chose qui a motivé les gens à croire une fois que non, l'armée s'implique dans cette affaire et au-delà de ça, elle est aussi en train de travailler. Donc vous allez aussi découvrir tout au long de cette émission
l'armée a fait quoi juste après bombardement Oyo et Salemaki? Togolobela, continuité des affrontements, dissolution, il y a M23, déjà M23 c'est Kabani. Bokoye balelo M23 Kabani nango ndenge nini. Bokoye balelo bakabel bakabana ki suite ya kokabanezala ki nini. Cause ya kokabanezala ki nini. Donc ce sont les détails auxquels vous allez découvrir tout au long de cette émission. Il y a des parlementaires belges et français qui montent au créneau et qui osent la voix face à la situation qui est en train de se dérouler à l'est de la République. Il y a beaucoup de choses. La position de l'Union européenne face à la situation qui se déroule à l'est de la République, tout au long de cette émission, vous aurez aussi les droits de les découvrir. Entre-temps, je suis Youssoufou Kibingila. David va commencer, il faut bien le préciser, journaliste d'investigation basé à l'est de la République démocratique du Congo. Nga mutu na memelaka bino ba sango oyo sengelaka bobozo yango. Nga mutu oyo amemelaka bino ba information oyo ya moto moto. A ce qui concerne la situation ya biloko oyo zoleka à l'est ya mboka na biso. Message de la communauté Tutsi à Kagame, c'était quoi? Wanande place tozo bandela déjà, c'était quoi? Message na bango. Bango balobaki nini après réunion oyo bazalaki to rencontre oyo bazalaki nango na général Peter Chirimwami oyo aza gouverneur awa ya état de siège donc aza mokonzi ya mboka mokonzi ya province bango balobi ndenge botiki kolanda na vidéo oyo tiki koleka wana bango balobi na bango ke ils n'ont jamais mandaté quelqu'un pour aller plaider leur cause en outre les akolobaki no jamais envoyé Kagame. Ils avaient dit ça, que jamais ils n'ont jamais envoyé Kagame à être leur interprète. Batika ko tinda e jamais, batika ko ebisa e jamais akende ko koze ko non ko ko solo la cause na bango. Et puis bango balobi baza ba congolais, donc les tout congolais comme vous le savez, balobi na bango ke non problème wana. Au problème, Kagame a zotia batuli boso po lobanae ke non. Certains sont victimisés, d'autres non. C'est-à-dire au Congo, il y a des tribus, bango bazo utiliser communauté. Bango bazo utiliser vraiment moana ya communauté. Bango banani ba rwandais ou ya Rwanda. C'est-à-dire qu'il reste avec les Tutsi de Rwanda et que les Tutsi ya Congo kotoyo batike na bango kotoyo. Bazo victimisé donc azo lobana kombo ya baye oyo baya na Congo. Baye oyo baya na Congo balobi na bango keno baye bili kambote. Oyo Kagame azo sala les ama solo oyo etalié yemoko. Bango batika kotinda ete. Bango bayebisa eloko te. Bango wana je suis pas leur porte-parole ici mais je fais que transmettre. Tout ça lika analyse à ce qu'ils ont dit. Si Kagame est entré de se pencher à déjà auquel nabatu oyo ba boy responsabilité na bango ezala na mutu ya Kagame balobi que Kagame n'est pas mieux placé pour plaider leur cause kutu bango ba ebiété na ba vidéo wana nde botiki kolanda ba ebiété bazana bango ba congolais ils veulent voir le Congo avancer ils veulent voir kosungana na mokonzi po ba buter l'ennemi libanda ya mboka. Wale zaki baza Kagame, au-delà ya minere ou ba ou lukanakati ya mboka. Kuloba keno, communauté moko eza victimisé. Communauté moko eza marginalisé. Communauté moko eza méprisé. Mais communauté wana bandaki kuloba keno, communauté wana bazo marginalisé yango. Ba ye ou yo ba ye, ba lobi na bango keno ba ye bili kambo wana te. Ba ou yo bandi kulobela wana, ba ye ou yo ba telemi, ba lobi na bango keno. Baza pre ya koyoka makambo oyo mutu wana zolo bana kombo na bango te. Po bango bazo sufrir te. Wane ze loko ka ye moko atalaki, ye moko atelemi, ye moko adeside kosala yango. Me bango baza ni pour ya makambo, baza pour te ya makambo oyo ya zo deklare na mutu na bango. Les gens auxquels lui plaide, ces gens-là refusent makambo yango. C'est pourquoi j'interpelle ici la conscience de tout le monde que il est aussi important que ba kaba histoire ba lisapongi amboka boni ebanda ba lisapongi biloko boni ebanda parce que
Il y a d'autres où Bakotiaga va commenter à Koloba Boe na Boe na Boe. Mais il faut savoir l'histoire, c'est quoi les choses. Si Kagame est en train de se pencher sur le Bela Batouana, Batouana va wanganiye, le Kola Pilato va wangana Yesu. Est-ce qu'il a raison de continuer à le faire? C'est pourquoi j'ai dit qu'on a assez que dissolution, il y a M23. Boko ye bango dissolution M23. Donc c'est un peu en gros message na bango balobi que non, il ne sont pas là na ba eloko Kagame a déclaré na mutu na bango. Nenga lobaki na Addis Abeba que non, communauté on est marginalisé. D'ailleurs au Congo, je signale ça ici, au Congo il y a pas de communauté. Au Congo, il n'y a pas de communauté. Ah, Wanakati Amboka, les communautés n'ont jamais existé. Je vous mets au défi. Si vous avez place ma communauté, vous allez relever. Vous avez place ma communauté, vous allez. Il n'y a pas de communauté, mais plutôt il y a des tribus. 145 tribus. Soit Mata, soit Kita. Mais je note une chose que je vous donne. Je vous mets en défi que non. Au Congo, il n'y a pas de communauté, mais il n'y a que deux tribus. Babilo kwa na ba communauté, balingi ba benda ango koto eza ya kuna. Ezonge la bango kuna awate. Donc ce n'est pas ici où bilo kwa ne kolekela. L'Est de la République, auquel ces gens ont l'idée à balkaniser ko simbarate. L'Est ya mboka, o bango bazana idée à kokabwa. Ya kokata, e ko simbarate. Raison pour laquelle Batia Koutouna bana ya mboka liboso ya makambo. Pour mon na keno eza makambo o ya bana ya mboka. Comme l'avait confirmé l'armée UPDF, l'armée ougandaise. Keno eza likambo interne. C'est un dossier interne, c'est une affaire interne. Yango wana batuana o ya libanda betilize Koutouna mboka, bana mboka lokola banani ba corner nanga. Banamboka la kula journaliste ya Bimal Bumbashi ki rejoindre corné nanga na ba FC na bangwana voyez pe na ba ebele oyo bazolo baté na ebele oyo bazo mitikala na anonymat mais ils sont en train de collaborer toujours avec ces gens donc ils ne veulent pas montrer leur face réelle baye oyo bazana kati armée ba pesa ka basango ya armée kutoko na côté a Moninga baza ebele heureusement on a commencé à les découvrir moko na moko. Je suis pour, je suis de ceux-là qui pensent que Kobuma Batouana Bazaba traiteriza vraiment bonne idée. Je suis de ceux-là qui pensent ça. Je suis de ceux-là qui pensent que il est important Kobuma Batouoyo Basala Kamakambouana. Parce que lorsque ça va servir d'exemple pour quelqu'un, oh mon souspo, et bien c'est à Saliango, il y a la prochaine Bakobumaye, Bakobando Tiko Sala Makambouana. Donc voilà un peu en gros, Makambango Nengezo Sale. Mais il faut noter. Ce n'est pas parce que Batie Bana Mboka Liboso, ce n'est pas parce que Sali Corneille Nanga Mukonzia groupe Wana, ce n'est pas parce que Sali Mukonzia rébellion Wana, et que ça fait que nous sommes Likambo ya Mboka. Non, non. Ce sont des agresseurs. L'ennemi peut utiliser même moi na Mboka, il se rebelle contre Tata Nae. Il fait la rébellion contre ses parents. Ça peut se faire. Mais ça ne victimise pas que non, c'est maintenant l'enfant là. Moi, je suis en train de raison na biloko oyo azo sal. Comprenez, allez-y comprendre donc que quelle que soit l'utilisation ya bana mboko bazo utiliser bango na kati affaire wana, ça ne va jamais réussir. Si nos analyses bisto analyser ka likambo wana et ko réussir jamais. Pour parler à ce qui concerne de bombardement à Sake, il y a deux enfants âgés de 8 ans, ba mosusu à deux âgés de 8 ans, donc na ba parents na bango ba koufaki, puis il y a d'autres au bazaki blessés. Il y a des bombardements qui se sont effectués avant-hier à 20h 21h dans la cité de Sake. Là c'était après que les M23 ont été bâtis sévèrement. Alors bouzoba na bango et bien ba to bazo tia ba commentaire déjà ko le ba ke non, oh non mais l'armée boe non ceux qui bazaki mibali. Je vous mets aussi au défi. Je vous mets alors à, et puis encore au défi dans le Kambouana. Moutou oyo aza mobali aye po ako bunda. Ako ya boutou te. Il ne peut pas venir boutou. Tu devais vraiment faire montrer à l'autre face na yo ndenge zalaka. Oko ya boutou te. Oko ya boutou te. C'est-à-dire, eloko oyo bango basali eza komonisa combien de fois
bazo banga biloko oyo FRDC kosali la bango. Raison pour laquelle bayaka ke na bango butu ko kanisa keno bakokuta FRDC si elali. Bakanisa na bango ko bakuta FRDC si elali. Malheureusement, nzambe ya Congo oyo alala kate FRDC lala kate. Babetana ki butu wana ya lobby wana na 21h 22h 20h 21h 22h. C'est un combat qui a duré tout au moins 3 à 4 heures comme ça. Après que beta ma série ba moni ah to bi ma vide. Ah ah, ba moni bo bi ma vide tende ba larguer ba bombe wana. C'est ainsi se sont permis ko larguer ba bombe sur la cité de Sake. Et puis ba twana ba kufaki. Maintenant lobby ndenge na bisaki bino au départ que qu'est-ce que l'armée a réalisé après ba bombardement wana? Les gens ont peur, les gens se disent toujours que ba obima sous ça qui était obi ko kima ko zonga ko kima balembi ceux qui M23 kuta bango wana ils ont s'affronter avec le M23. Ça c'est la population déjà à place wana lobi makambo wana. Et puis l'armée congolaise maintenant FRDC oyezala ki wana lobi ba betana ki et kimisa ki munguna. Il y a des mercenaires blancs. Moi, je vous l'ai dit ici. Ngana kota kana bitumba. Moi, j'arrive au front. Nous devons que vous dire des choses hautes. Talak. Est-ce que ça radio bon monde sabiso? Mais vous savez, vous devez retenir une chose. Ce n'est pas toute chose. Oyo. Et ça, c'est le mana secret. Il y a un mot kanabiso. Na armée nabiso. Nde sengel to propager en oboe. Nde sengel to tira déjà bino ma vidéo. Mais je vous dis vrai. Entendez avec le temps. D'ici là. Vous allez voir même les directs au Tozana Bitumba Batu Oye Bazaku Twata ba Rwanda te Bazoku fana Bitumba wana. Il y a même des mercenaires blancs au Bazoku tena Bitumba wana. Il y a Batu Oye Baza ni Ouganda te ni Rwanda te ni blanc te mais bakuti na Bitumba wana. D'autres pays ba africains au Tobano Kansake no Baza ba frère na biso. Mais ils sont en train de me poignarder dans les dos to kuti bango pe na Bitumba au côté anini ya M23. Déjà auxquels on a fait confiance, déjà auxquels on croyait que ce sont nos frères, déjà auxquels on savait toujours que Batouana, Bakoya, Narescus, Erbiso, Narescus, Nabiso, Erbiso, tous a agressé. Baye, Oyo, Tokuti, Bangokuna. Vous savez déjà que non, la RDC ne fait pas seulement la guerre avec le Rwanda, mais la RDC fait la guerre même avec ses frères africains, même avec les Occidentaux. Même avec d'autres personnes, au Batskali, na anonymat, ils ne veulent pas se dévoiler. Ils ne veulent pas se dévoiler. L'armée continue à faire les offensives dans plusieurs coins. Et sachez déjà une chose, que la route Goma, Sake, Masisi, Ezo Salem, Bafouzo Tambola déjà, Baya Kolia, Ezo Salem. Seulement que Batouana, Bazomi Bomba, na Bakouin, Moko, Moko, Oyo, il faut vraiment l'État pour découvrir Wapi Bazomi Bomba, Tina Bandako, Yaba Civil. Mais nous espérons, nous croyons, on ne va pas injurier l'État congolais, on ne va pas injurier le gouvernement congolais, on ne va pas injurier non plus les FRDC ni les Wazalendo. Parce que Bango Soto Fingi Bango, là nous serons en train d'échouer. Même une question que j'aurais te poser, Soto Fingi FRDC, vous injuriez les FRDC, est-ce que vous-même là, vous, vous êtes à Yo zolo ba dizan na commentaire na yo ke vous soutenir ba FRDC. Si tu les soutiens, écrivez simplement là-bas dans votre commentaire. Je soutiens les FRDC. Je soutiens les FRDC. Na sungi atakutu mutu oyo pe asala ka ba rotation azui ba risque ka kena bitumba po même la biso ba information ya moto moto. Est-ce que vous personnellement vous êtes capable à aller même au front? Obetana te me on assister na bitumba. Mais là tu n'es pas capable à le faire. Ce que tu dois être capable de faire, c'est soutenir les FRDC. Point barre, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choses à faire. Il y a continuité des affrontements. Il y a des affrontements un peu partout dans les territoires de Masisi. Vous devez les connaître ça, dans les territoires de Rutshuru, dans les territoires de Nyiragongo. L'armée congolaise continue ses offensives. L'armée congolaise continue à faire la guerre. Elle a décidé de ne jamais laisser. Donc, c'est ça la situation. On est combattu par plusieurs États, on est combattu par plusieurs forces, mais on fait le mieux pour s'en sortir. Si du moins on était faible, si du moins l'armée congolaise était déjà faible, si du moins l'armée congolaise n'avait pas l'équilibre,
Nzoka Goma awa place tozali ekenda kala. En 2012, n'ont pas eu tout cet état pour qu'ils puissent prendre la ville de Goma. Mais ça fait plus de 2 ans, ils ne sont pas capables de prendre la ville de Goma. C'est-à-dire, il y a une force qui s'est ajoutée sur une autre. Alors, laissez les commentaires, laissez ma critique au Yamabe, et puis venez au secours Yakosunga. Ni Wazalendo, ni les FRDC, Potomona. Comment est-ce que nos frères, nos sœurs déplacés, dissipés, bah, auraient gagné la localité, na ba village, na bango. Dissolution du M23. M23 ici est Kabani. Ceux qui ont été battus, ils ont été M23 ici est Sili. M23 ici est Wana, ils ont été battus. 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 Mais ils ont été battus. Ils ont déjà. Mettre déjà Corneille Nanga à la tête, il y a M23. Ça montre combien de fois que rébellion wana ici et si li. Wapi corne nanga c'est la formation militaire. Wapi corne nanga azala soda. To ebite. Mais le lobo moni ba vidéo, moni ba photo zo tambola keno azala ti teni déjà. Azo pe sa morale na troupe. Morale nini ako pe sa bango. Na 5 km ya pamba e moko ako ki mango te. Donc voilà. Groupe wana ici li. Ba bendana ki na bango. Ba moko ba kita ki mouvement, ba bima ki na mouvement yango. Il y a des éléments qui ont quitté ça, qui ont refusé, disent, tozo koufa na ba cause, oyo eza koutoua ta nobleté. Tozo koufa na ba intérêt ba meninga. Ba ye oyo, tozo koufa la bango, bana na bango bazana ba poto. Mais biso tozo koufa. Alors, ils se sont décidés, kotika wana. Yango moni ba remaniement en Jérusalem. Ceux qui se trouvent dans les territoires de Routour, nous le font entendre que non. De longtemps, donc il y a quelques jours, il y a 1 mois, 2 mois, c'est déjà se renforcer même à 1000, 2000 personnes, même voire 3000. Ils venaient à renfort au côté M23. Mais le lobe à Zokota, ceux qui 20, ceux qui 10, ceux qui ont été aussi 40, 50. C'est-à-dire même force Nabango et aussi là. Croyez à l'armée congolaise. Accompagnez l'État congolais. Accompagnez le gouvernement congolais. Si vous avez une idée, vous avez des suggestions, approchez les autorités, je le dis chaque jour. Approchez les autorités. Vas-y, vous allez discuter. Boko beta li solo. Boko pe sa idée na yo. Pe boko yokan. Pour finir, avant de finir alors, avant de parler ce dernier point de déplacer de guerre, il y a des parlementaires belges et des parlementaires français qui continue à crier, à parler de plus haut, montrer combien de fois le Congo est oublié s'il s'agissait de l'Ukraine. On partait avec, ils partent toujours avec des renforts, des secours et tout le reste. Mais s'il s'agit de la RDC, il n'y a pas de secours. L'Union européenne a transmis un message bien clair au peuple congolais qui en prend acte. L'Union européenne. Ça, c'est un message que l'Union européenne transmettra qui n'a pas Congo. Pourquoi est-ce qu'il y a comme ça? Le gouvernement va prendre des décisions sur ça. Le président nous vous appelle, le président Fatih Tshisekedi joue à disposition pour nous. L'ambassadeur de l'Union européenne. Banamboka, Awana Goma, a déclaré déjà que vous expulsez. Na Kinshasa. Alongwa na ye na Kinshasa. Pour finir, les dames et messieurs, toujours lancer sous appel Nenge Zala Kaka à tous les compatriotes congolais de partout où vous trouvez pour na déplacer des guerres au Baza à l'est de la République. Veuillez les soutenir de partout où vous êtes, sont nos frères, sont nos mamans, sont nos papas, sont nos sœurs. Donc, Toya na Sunga Bango, donc voilà Lisapong Yalelo, voilà le décryptage na Biso Yalelo, bazo souffrir na Bakaya ba déplacer. Aux attentes et lambeaux, là, Takate, de partout où vous vous trouvez, envoyez ça ici. Vous avez quelque chose, envoyez ça ici. Biso Toke Nakakuna chaque jour. Tomona Kabatuana chaque jour. Moi, personnellement, j'aimerais offrir presque chaque jour. Dans le cas de déplacer, presque chaque jour. Alors, Eloko Zanango, Mukeo Zanango, qu'il vous plaise,
koya na lisungi ya bande konabiso oyo baza na baka ya ba déplacer. Voilà donc, c'est la fin de cette émission. J'étais Youssoufou Kibingila David à sa présentation na ba décryptage ya lelo mutu oyo ya memela ki yo basango lisusu ya lelo. Lelo weekend, donc toujours souhaiter déjà bon weekend. Bonne journée à la place Oyo Zali Ozo Landabiso. Surtout, abonnez-vous massivement sur Congo Live Télévision. Pour plus d'informations, Ozana Lisungi, Ozana Elo, Kosongolo, je reste disponible sur plus 243 9 93 46 71 93 09 93 46 71 93. Merci, mesdames et messieurs. Excellente journée à vous, surtout prends bien soin de vous et à la prochaine pour un nouveau numéro.